Alors du blabla, c'est terminé. Maintenant, on va agir pour le climat. Un Français pollue plus d'une tonne par mois. Par mois. Vous vous rendez compte, ça fait plus de 50 ans que les écolos ils préviennent qu'il y a des problèmes pour le climat, qu'il y a des problèmes de biodiversité, qu'on a des problèmes au niveau de l'agriculture, et on n'agit pas, on fait comme si de rien n'était. Donc là, on s'est dit qu'il était temps d'agir, d'y aller. On va saboter les industries polluantes. La progressive va être via Max. Alors pourquoi via Max? Parce que via Max, ils rejettent des déchets polluants dans les rivières et après les poissons ils adoptent des comportements anormaux, des comportements sexuels étranges, etc. Donc ils deviennent complètement zinzin. Tout ça parce qu'il y a une entreprise qui veut faire des millions de bénéfices. Donc nous on va couper l'électricité de l'entreprise et comme ça, et ben ils pourront plus agir. On est prêts? On est prêts. Action, rébellion! Cette fois-ci, on s'attaque à SpaceX. Ils balancent 42 000 satellites par an, il y en a marre, il faut arrêter de gaspiller nos ressources. La Terre et les océans se font polluer, ils vont s'attaquer à l'espace, bordel. Mais ils ont un seul point faible, c'est qu'ils enregistrent toutes leurs données sur un seul ordinateur. Aujourd'hui, on apporte une clé USB pour détruire toutes ces données. Hey, where are you? It's private building. Where are you going? Right now! Merde, il est mort! Oh, fucking crap! Yes, he's dead! Yes! On a perdu des amis, mais le combat continue. Aujourd'hui, on s'attaque à un producteur de pétrole qui fournit la moitié de la France, un gros pollueur. Ils produisent 250 millions de tonnes de CO2. Aujourd'hui, je suis sur cette usine, on va la détruire. Mon briquet. Frappeur!